C'est le milieu de la nuit, la ville dort. Seul au siège de la banque Jeandette, un homme garde l'œil ouvert. Toujours en alerte, le veilleur de nuit veille. Quoi, qu'est-ce que... Il m'a bien semblé entendre un bruit. Oh, ça devait sans doute être une souris. Je ferais mieux de m'en assurer. Ah, le moindre bruit me réveille. J'ai le sommeil trop léger. C'est bien mon problème. C'est peut-être pour ça que je suis un si bon veilleur de nuit. Juste ciel, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas une souris? Hé, hey, les mains en l'air! Les mains en l'air, mais avec joie, monsieur. Rendez-vous, ça vous convient? Ah oui, c'est parfait, très très bien. Maintenant, regardez-moi dans les yeux. Vous êtes une fusée supersonique. Je suis une purée acétonique. Non, une fusée supersonique. Ah oui, je suis une fusée. Oui, mais pas une simple fusée, une fusée supersonique. Ouais, je suis une fusée supersonique. 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 Je monte sur le pas de tir, prêt au lancement. 5, 4, 3, 2, 1, 0 et c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un pas de géant pour le veilleur de nuit. Entrez, vous deux! Alors, patron, qu'est-ce qui nous amène? Un terrible événement. Vous ne lisez jamais les journaux. Ah, je vois ce à quoi vous faites allusion. Les Beatles se sont séparés. Oui, il y a 30 ans. Où achetez-vous vos journaux? Chez le bouquiniste. Il me fait un prix sur le paquet de 10. Je vous parle de la presse d'aujourd'hui, tête d'huître. Bon, on a cambriolé la banque tête. Les malfrats ont laissé derrière eux le gardien dans un état cataleptique. Vite, il faut trouver ce que ce mot veut dire. Patron, vous avez une idée? Regardez. Ah, d'accord, ça veut dire zinzin tendance kangourou. Kourou, Kourou, nous avons un problème électrique, un court-circuit. Il est incapable de nous dire ce qui s'est passé et aucun docteur n'a pu le sortir de cette espèce de transe. Laissez-moi essayer, patron, j'ai un remède scientifique. Ah oui, c'est fantastique. Que vous faut-il? Un scanner? Un électroencéphalogramme? C'est gentil, patron, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin avec moi. Du matériel ultra-miniaturisé? Hé, touche-nous! Réveille-toi! Merci, je m'en souviens à présent. L'homme avait un chapeau haute forme, une cape et un collier de barbe. Haut de forme, cape et collier de barbe, c'est l'œuvre d'une seule et unique personne. Oui, aussi sûr que un et un font deux, le pauvre Dracula. Hein? Aïe, 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 aïe. Mettons un peu d'ordre aussi, d'ailleurs. Le patron se met dans des colères parfois, c'est incompréhensible. Calmar! Je dis poulpe! Je retourne au fond de l'océan! Nom d'un chien, je pensais à Hypnus le magicien! Je veux que vous l'arrêtiez! Donc, si j'ai bien compris, Hypnus le magicien est à la fois hypnotiseur et cambrioleur. Rendons une petite visite à l'agent Le Feuillu. Il nous renseignera sur ce lascar. Prêt? Quand vous voulez! La porte est ouverte? Le Feuillu, que savez-vous au sujet du casse de la banque Jeandette? Avez-vous des tuyaux sur Hypnus le magicien? Le butin est enterré à 50 pas au sud du grand chêne vert. Voilà, c'est presque une affaire classée. Fantastique! Et quels sont les numéros du loto? Le butin est enterré à 50 pas au sud du grand chêne vert. C'est bien, Le Feuillu, tu as été très obéissant. Maintenant, pour te récompenser, je vais te transformer en moineau. Je suis un moineau, je suis un joli petit moineau. Je vais m'envoler avec mes amis, les oiseaux. On y est presque, chef. Le patron va être ravi. C'est peut-être ce grand chêne-là. Non, non, c'est celui-ci. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je commence. Attendez, chef, arrêtez. Silence. Je m'embrouille dans mes comptes à cause de vous. Je sais ce que je fais quand même. Mais attendez, 46, parce que 46, si vous continuez, 46, vous allez droit dans le ravin. 49, 50. C'est trop cruel. Il est très fort. Quelle capacité à aller rapidement au fond des problèmes. Tout va bien, chef. J'analyse parfaitement la situation. À l'aide. Oula.
là, le temps presse. Morte, je vais m'écraser. Ah, je vois. Ne vous en faites pas. Et voilà. Oh. Chef. Assassin, lâcheur. Vous allez me le vous payer vous tombiez cher. Sur ce chardon. Ce chardon, hein. Chef, pitié, enlevez ça, ça pique. J'ai mal au nez. Et estimez-vous heureux que je ne l'ai pas collé ailleurs? Je m'estime heureux, je suis heureux. Aïe, mais enlevez-le-moi. Tout ça, c'est la faute à Le Feuillu. Est-ce que vous avez remarqué que Le Feuillu parlait comme un automate? Mais il avait encore trop bu. Le veilleur de nuit parlait comme lui. Tiens, c'est juste, c'est peut-être un indice. Hypnus a dû savoir que l'on irait voir Le Feuillu pour se renseigner sur lui. Il l'a hypnotisé lui aussi. Mais c'est évident, il nous a eu ce drôle de gourou. Et quand le gourou joue, ça nous courrousse. Hypnus a un bond d'avance sur nous. Faisons vite un saut chez Le Feuillu. S'il est là, c'est dans la poche. Le Feuillu est-il chez lui? Il s'est pris pour un oiseau, c'est pourquoi il est à l'hôpital. Ce gars est aussi givré qu'un citron, si vous voulez mon avis. En effet, oui. Quand on est un oiseau, on ne va pas à l'hôpital, mais chez le vétérinaire. C'est curieux chez vous, cet amour de la logique. Je croyais pourtant m'être débarrassé d'eux. Chef, regardez derrière vous, Hypnus le magicien. Il est dans l'immeuble, je l'ai vu comme je vous vois. Je prends les escaliers, vous les fenêtres, bouchez-lui les issues. C'est compris, chef. Si Le Feuillu est givré, ces deux-là sont dingues à enfermer. Le grand fil va encore sauver le monde. Évitons de regarder Hypnus dans les yeux. Allez, canaille, viens m'hypnotiser si tu l'oses. Alors, qu'est-ce que ça fait de tomber sur un caillou? On n'a pas l'habitude. Gentil, gentil, toutou, gentil. Ne faites pas attention, il veut jouer, il badine. Ah oui, en effet, il est très joueur. Oui, au pied, Nabucodonosor. Allez, assez joué, viens, rentrons à la maison. Et tout doux, sinon pas de nanas, compris? J'ai besoin de renfort. Et vite, je dois appeler Morpa. Sainte Barbouze. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous fichez? Je bouge les issues, c'est ce que vous m'avez demandé, non? C'est vous qui êtes bouché, crâne de... j'ai parfois l'impression de parler à un mur. Le chef a un sacré sens de l'humour. Ça force le respect, il a dû faire l'école du rire. Regarde-moi dans les yeux. Tu es Tarzan, Tarzan, le roi de la jungle. Je suis Tarzan, le roi de la jungle. Viens Gorille enragé dans cet immeuble, il n'a que deux cheveux sur la tête. Je veux que tu les supprimes. Cette porte est verrouillée. Je vais être obligé de la défoncer. Par ici, méchant gorille. Viens attaquer Tarzan. Morte, donnez-moi un couteau. Bah, attention, un peu plus vous m'épingliez sur cette porte. Tarzan, jamais entendre Gorille furieux parler. Tarzan pas content, Tarzan doit donner coup sur tête à deux poils. Oh, Gorille furieux a changé de peau. Où est Gorille furieux? Il a été hypnotisé, je dois lui faire retrouver son état normal. Oh, je crois que j'ai fait une boulette. Non! Nabucodonosor au pied, bah, il est si taquin, ça suffit. Le monsieur ne peut pas jouer. Bien présent, Hypnus le magicien m'a hypnotisé. Mais où est-il passé? Oh là là, je ne me sens pas encore dans mon assiette. J'espère que le molosse est parti. C'était pas la peine de me frapper, je n'étais plus hypnotisé. Ben, je le sais, mais je dois avouer que l'occasion était trop belle. Hypnus. Enfin, on le tient cette fois. Je dirais plutôt qu'il nous tient. Tu es un chat et toi une souris. Tu es un chat et toi une souris. Je suis un gros matou. Je suis une petite souris, une souris grise. Une souris, je suis une souris. Bien, vérifions si ces deux héros ont progressé dans leur enquête. Vous vouliez nous parler, patron? Oui, nous avons appris que Hypnus compte faire sauter le coffre-fort de la banque du lingot. On y va tout de suite. Allez, venez, Morte, il faut se dépêcher. Le système de vidéoconférence du patron n'est pas encore au point. Il pourrait au moins prévoir un escabeau. J'en parlerai à mon chien. Bon, rattrapez ce magicien, sinon je vais me fâcher. À vos ordres. D'accord, on file à cette banque et cette fois, il ne nous aura pas. Et comme on n'est jamais assez prudent, j'emmène Lucas, mon chien policier d'élite, avec nous. Il ne pourra pas l'hypnotiser. Allez, Lucas, en avant. Va faire ton devoir. Il est là! Attaque! Attaque, mon chat! Mords-le! Ça alors! Psst! Tu n'as pas attaqué la bonne cible! C'est le type au chapeau de forme! Regarde-moi dans les yeux, impétueux cornio! Tu es un homme et lui un chien! Je veux que tu l'emmènes faire une promenade! Je suis un homme, c'est un chien, je dois l'emmener se promener!
Chef, attendez, levez-vous. Oh là 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 là. Mort, faites quelque chose. Dites à votre stupide chien que je ne suis pas un caniche. D'accord, j'arrive. Surtout ne bougez pas la poêle. Ma bravo, très bonne idée, le chien. Je suis désolé, chef. Je savais qu'Hypnus était très fort, mais pas qu'il savait parler en chien. Oh, regardez, chef. Lucas est toujours sous l'effet de l'hypnose. Ça me donne une idée. Quoi? Vous avez encore une idée? J'en ai froid dans le dos. Je vais bander les yeux de Lucas. Il n'utilisera que son flair légendaire. Allez, Lucas, serre-toi de ton flair, retrouve le magicien et attaque-le. En avant. Mais que fait-il? Il réfléchit, mais ça prend un temps fou. Il est enrhumé, il a la truffe bouchée, il ne sent plus rien, le pauvre. C'est le bon pour un chien sans flair. Ce cabot a beau avoir un rhume, il y a une odeur qui ne lui échappera pas. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Dehors le chat, t'entends là? Regardez-les courir, de vrais enfants. Décidément, le chef est un vrai ami des animaux. Au secours, porte à l'aide, rappelez votre sale cabot. Le destin a donc décidé que j'arrêterai Hypnus tout seul. Les idiots ne peuvent pas échouer cette fois. Ah, Morte, vous êtes là, fidèle au poste, bravo. On a eu quelques incidents mineurs, mais on contrôle la situation. Quel genre d'incident? Rien de préoccupant, Hypnus a juste vidé le coffre avant mon arrivée. Heureusement, il n'y a pas de dégâts collatéraux. Il avait les clés. Je vais le trucider, je vais le zigouiller, l'éliminer pour toujours. À l'aide. Mais n'est pas trop dans un sens, il a raté son coup. Le coffre n'a pas sauté. Ah oui, en tout cas, je n'ai pas raté le mien, faites-moi confiance. Allô? Je veux vous voir dans mon bureau dans 2 minutes. Bon, alors je dis 3 minutes à prendre ou à laisser. Espèce de babouin. Comment? Un marsouin resserré? Mais patron, de quoi parlez-vous? Peloton de diffusion, j'arrive. C'est le moment d'utiliser ma sortie de secours. C'est parti. Il y a comme un défaut que je n'avais pas prévu. Où passer le reste de ma barre? Ah, chef, j'ai retiré quelques mètres de la barre pour la peindre. Comme ça, les passants ne risqueront pas de s'y cogner. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça soulage et ça calme. On doit être dans le bureau de Monsieur L dans moins d'une minute. Alors on se dépêche. Que peut-on faire pour vous? Ponctuel avec ça. 1 minute 40. Que pensez-vous de ce spectacle? Je suis une grosse mouche verte avec des poils partout. C'est un imposteur, patron. Les mouches possèdent 2 ailes. Oui, et les vertes poilues partout ne vivent pas sous nos climats. C'est un espion, c'est sûr. Je sais parfaitement qu'il n'est pas une mouche. On l'a retrouvé sur la grand rue. Il essayait de mordre un cheval. On a découvert qu'il est un agent de sécurité à la banque Fric. Je doute qu'on puisse faire confiance à un agent qui passe son temps collé au plafond. Est-ce que vos cervelles anglues arriveront à comprendre qu'il a été hypnotisé? Et plus en veut à la banque Fric. C'est un génie du crime, chapeau. Oui, on va l'arrêter. Je l'espère pour vous, car s'il n'est pas dans mon bureau dans une demi-heure, vous compterez les dents de mon crocodile. Je le veux ici, menotte au poignet. Me suis-je bien fait comprendre? Mort, où allez-vous? Attendez une minute, je reviens. Et qu'en dites-vous? Mieux vaut être prévoyant, j'ai mis ma ceinture anti-crocodile. Inutile, cette fois on va réussir. Mieux vaut être sourd que d'entendre ça. Je vais en finir avec eux, tu es un boxeur à l'entraînement. Allons-y, c'est par là, on va le prendre par surprise, d'accord? Chef? Ton chef est un punching ball, alors frappe du gauche, de la droite. Morte, aidez-moi à passer au-dessus de la porte. J'ai besoin d'un coup. Je n'oublierai pas son coup de main, vous vous en mordrez les dents. Tu es un cochon, je le veux. Un cochon. Je suis un cochon. Oui. Mon punching ball se chat. À l'heure qu'il est, ils doivent déjà avoir arrêté Hypnus. Oui. Je veux des carottes. Oui. À mort, aidez-moi. Il veut me mordre. Pitié, patron, c'est pas notre faute, on était sous hypnose. Gentil, gentil, crocodile. Commence par lui, il est beaucoup plus dodu que moi. Non! C'est donc ici que vivent ces 2 crétins de la TIA. Je vais m'occuper d'eux de façon à ce qu'ils ne soient plus jamais dans mes pattes. Voilà, tout près du but. Mon chapeau, mon haut de forme de magicien. Aïe! Au secours! On m'assassine! Oh non, mon lécheur! Ils ont vu à travers la porte.
C'est pas si mal. Morte, j'ai déjà dit qu'il ne faut pas mettre la cible sur la porte. Non, tant pis, je vais trouver un autre endroit. Essayons par la fenêtre, si seulement ils se doutaient de ce qui les attend. Je suis impatient de voir leurs yeux de poisson pas frais. Aïe, ma cape! Oh, le bel oiseau! Oh, celui-là, il est pas bon du tout! Où est Monsieur Catastrophe? Je peux les voir à présent. Bon, ça suffit. Le stand de tir est fermé. On range le matériel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et voilà, une bonne chose de faite. On peut dire que vous êtes parfois un vrai rabat-joie. Ils vont me le payer. Personne ne garde l'entrée, les inconscients. Je vais tous les hypnotiser. Mais qui... qu'est-ce que... Morte, poussez-vous de mon chemin. Je travaille, moi. Désolé, chef, mais je n'étais pas sur votre chemin. Je devrais nettoyer mes lunettes. Oui, c'est une très bonne idée. Juste un coup de brosse. Vous parlez tout seul, maintenant, hein? Non, avec vous. Ah, question idiote, réponse idiote. Je sais pourtant bien que vous n'êtes pas normal. Ce sont des sombres idiots, c'en est presque douloureux. Allez, remuez-vous, on est en mission. On doit attraper Hypnus. Une minute, je vais chercher mon arme dans l'armoire. Dès qu'il ouvre la porte, je l'hypnotise. Oh, c'est fermé à clé. Ah, j'aurais peut-être dû fixer cette armoire au mur. Tant pis, autant que je prenne mon vieux pistolet à plomb, il fera l'affaire. Ah, il faut en finir, il ne me reste plus qu'une dent à cause de... Non, oh, encore un plomb perdu. Ma dent. Et plus, ces deux idiots l'ont laissé s'enfuir. Cette arme secrète va nous permettre d'arrêter Hypnus. Non, moi je ne vois qu'un porte-manteau. Oui, de prime abord, mais c'est en fait un robot redoutable. Alors les gars, on a laissé ce brave Hypnus s'échapper. Ne faites pas ça. Je vous avais pourtant averti. Oh non, ma veste préférée, elle est fichue. Ce coup-ci, vous allez avoir une correction. Attention, patron, calmez-vous. Patron, si vous vouliez partir, il fallait prendre les escaliers. Les vitres coûtent cher. Alors, qu'en dites-vous? Ce robot est un combattant d'élite, non? Et il est définitivement impossible de l'hypnotiser. D'accord, on l'emmène avec nous. Seulement, on ne peut pas laisser le patron dans cet état. Oui, vous avez raison, chef. Voilà! Maintenant, il ne risque pas d'avoir froid aux pieds. Excusez-moi, cher monsieur. Un conseil, regardez où vous allez. Venez, Morte, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allons, repère d'Hypnus. Monsieur, le porte-manteau, c'est pour vous? Oui, je vais enfin pouvoir accrocher mon... Au secours, le porte-manteau, il m'attaque! Aïe! Les assassins, ils vont m'entendre au magasin. Chef, on y est. C'est ici qu'Hypnus se cache. Bien, je place le robot. Voilà. Un porte-manteau, juste ce qu'il me fallait. On va bientôt l'entendre crier. Jetons un coup d'œil. Comment allez-vous, les amis? Vous êtes les bienvenus. Regardez-moi dans les yeux. Vous êtes en mon pouvoir. Tu es clou et toi, marteau, au travail! Vous avez vu? Ils sont bons pour la camisole. Ou pour le salon du bricolage. Je suis un clou. Je suis un marteau. Et voilà enfin des gens qui vivent en parfaite harmonie. Bravo, les enfants. Bon, tu es footballeur et toi, ballon de football. Je suis génial. Mais je suis le roi des pénaltys. C'est un ballon. Bon sang, c'est drôle. En perdre mon dentier. Oh non, mes dents. Où sont mes dents? Ça aboutit. N'importe mon tout. Je vais leur laisser le mien, ni vu ni connu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Les piles sont peut-être à plat. Ah, vous voilà. Vous et votre robot psychopathe. Tout va bien. Il n'y a plus rien à craindre. Les piles sont à plat. Ah oui, eh bien, je l'arrête quand même pour voix de frais. Encore vous. Là, Hypnus. Vite, poursuivons-le. Suivez-moi. Et s'il m'hypnotise, rappelez-le. À vos ordres, chef. Arrêtez-vous, c'est un ordre. Il a entendu, il s'est arrêté. J'en ai vraiment assez de vous deux. Toujours dans mes pattes. Non, c'est horrible. Je ne veux pas voir ça. Comment le chef peut-il encore tenir le coup? Laissez-moi tranquille. Chef, vous allez bien? Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu, crétin?
Bah, je devais le frapper s'il tentait de vous hypnotiser. Mais il n'a même pas essayé. Ne revenez tout de suite, cloporte. On va attaquer ensemble et vous en tête. Mais il est là, chef. On va le rattraper. Chargez. Vous n'en avez pas eu assez. Inutile d'insister. Je suis le plus fort. Mais voilà, il ne peut plus nous hypnotiser, on a trouvé la parade. Prends ça, canaille. Viens, encore une. Vous êtes deux lutteurs assoiffés de sang et vous vous haïssez. Alors, battez-vous, battez-vous. Je vais t'écrabler. Tu es mort. Oui, c'est bien, battez-vous, faites-vous mal, mes amis. Bon sang, c'est effrayant de voir jusqu'où peuvent aller deux adultes responsables. Bravo les gars, vous avez pris Pnus. Mettons-lui ce bandeau, un homme averti en vaut deux. Mortfil, pourquoi me regardez-vous ainsi? Qu'est-ce qui vous prend? Je suis un guerrier. Moi je suis une bête fauve. Et moi je suis le plus fort. Non, je suis le plus fort. Je suis rapide comme l'éclair, je pique comme l'abeille, je danse une danse fatale et je pique, car je suis le plus fort. Je suis le prince du Kung Fu. Ma tête a cassé plus de briques que tous les bulldozers de la Terre. Revenez, j'ai deux mots à vous dire. Revenez.